Le déploiement de la fibre, déjà, ça fait l'objet d'une convention avec l'opérateur qui nous met à disposition, qui met à disposition du territoire un certain nombre d'infrastructures qui vont permettre à tous les opérateurs, quels qu'ils soient, de fournir l'Internet partout, mais surtout en priorité en zone blanche, comme on l'a défini justement dans cette fameuse convention qui a été signée par la ville des Abîmes. Et en fait, c'est le fruit d'une collaboration entre l'opérateur qui crée un réseau ouvert et nous, la ville, au travers des différents services. Orange a décidé, aux alentours des années 2018-2019, de lancer 13 communes de la Guadeloupe en fibre optique et de faire 100% des adresses de ces communes, 100% des foyers. Et donc c'est le cas des Abîmes. Les Abîmes ont commencé en 2019. Il y a aujourd'hui, on a dénombré, en faisant ce qu'on appelle un pitage, c'est-à-dire en passant sur l'ensemble du territoire et en relevant toutes les adresses, il y a plus de 30 000 adresses, donc 30 000 prises, qui vont être mises en œuvre d'ici 2023. Donc aujourd'hui, nous sommes sur Doubs, devant une armoire qui vient d'être, ce qu'on va dire, allumée, qui est disponible, sur laquelle il y a 350 foyers. Et donc ces foyers auront la fibre optique d'ici la fin de l'année. Et ça va leur permettre donc d'avoir de nouveaux usages. C'était une priorité pour le maire, le président de CAPEX, Éric Jalton, et l'équipe du conseil municipal, pour que nous puissions doter quartier par quartier de toutes les régions, tous les quartiers des grands fonds, puissent être en priorité alimentés par la fibre. Donc aujourd'hui, pour Doubs, c'est chose faite. On ne peut que se réjouir. Nous avons une soixantaine d'armoires à raccorder sur le territoire des Abîmes, dont celle-là, qui est déjà allumée. Quand on dit allumée, c'est-à-dire on a la validation de l'ARCEP. On a 5 ans pour déployer une zone arrière de PMZ. Une PMZ, c'est un point de mutualisation de zones. Donc comme je disais, il y en a 62. Donc aux alentours de décembre 2023, nous devons avoir terminé la zone des Abîmes. Orange, en fait, est opérateur de réseau. Donc c'est Orange qui va déployer le réseau et la commercialisation sera ouverte à tous les fournisseurs d'accès Internet. Nous informer, comme d'habitude, du déploiement de la fibre au niveau du territoire de la ville des Abîmes. Mais bonne nouvelle, nous avons nos premiers connectés au niveau du territoire de la ville, à Pointe-d'Or, ici à Rue Albert-Ellandre, à Bois-Joli, résidence Bois-Joli, chemin des Petites Abîmes, route Courvoyer-Doubs, au temple au niveau de la ville des Abîmes, à Beau-Soleil, à Palais-Royal. Mais nous avons encore beaucoup de déploiements. Ça nous fait en tout 11 332 à peu près prises connectées raccordables. Donc, vous devez vous rapprocher des opérateurs, à savoir les deux opérateurs qui sont habilités, c'est Canal Plus Télécom et Orange. Vous devez vous rapprocher de ces opérateurs ou aller sur le site de ces opérateurs, ou encore mieux, aller sur le site de l'ARCEP pour savoir si vous êtes éligible, si votre foyer est éligible à la fibre.